Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve après une longue absence avec une recette de tagine de poulet aux oignons et raisins secs. Un tagine sucré, salé, bien savoureux qui fera voyager vos papilles. C'est un plat qui est très facile à réaliser, il nécessite peu d'ingrédients. Pour 4 personnes, il vous faut 4 morceaux de poulet au choix, 3 oignons coupés en lamelles et une poignée de raisins secs trempés dans une eau tiède pendant à peu près une vingtaine de minutes et égouttés. En épices, il va falloir un bâton de cannelle, 2 gousses d'ail râpées, une bonne cuillère à soupe de persil ciselé finement, quelques pistils de safran, du sel, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de gingembre et une demi-cuillère à café de poivre. Une cuillère à soupe de miel. Dans un récipient, je mets l'ail râpé. Je vais rajouter le gingembre, le poivre, le curcuma, le sel et les pistils de safran que je vais écraser. Je vais rajouter le persil ciselé et un peu d'eau. Je mélange bien. Je fais passer ensuite mes morceaux de poulet dans cette marinade. Une fois les morceaux de poulet passés dans la marinade, je les retire. Dans le reste de la marinade, je vais verser les oignons coupés en lamelles et je les mélange pour qu'ils s'imprègnent bien de mélange d'épices. Je passe ensuite à la cuisson. Dans un tagine que j'ai placé sur le feu, je vais verser un peu d'huile. Je vais rajouter le tiers des oignons. Je vais placer ensuite les morceaux de poulet. Je vais rajouter le reste d'oignons. Je vais rajouter les raisins secs. Je vais rajouter également un verre d'eau que je mélange au reste de la marinade. Je verse sur le tagine. Je vais rajouter le bâton de cannelle, un peu de persil ciselé. Je ferme le tagine et je laisse cuire entre 45 minutes à 1 heure sur feu moyen à doux. En vérifiant de temps en temps l'eau, si l'on manque, n'hésitez pas à en rajouter. En fin de cuisson, je rajoute la cuillère à soupe de miel sur le tagine, j'éteins le feu et je le sers sans attendre. Il ne vous reste plus qu'à déguster votre tagine accompagnée de pain. Si vous voulez la recette de pain, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube en tapant pain marocain de Fadila. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.